Non, tu ne vois pas, tu ne comprends pas tous ces efforts que j'ai toujours mis en œuvre pour toi. Toutes ces fois où je t'attendais en prenant sur moi, juste pour voir que tu m'abandonnais encore une fois. Et pourtant, je suis perdue, mon monde s'écroule sans toi. J'oublie comment respirer, je ne comprends pas pourquoi je ne peux plus penser lorsque tu es là. Et pourquoi dans mon esprit il y a toujours cette voix. Et je l'entends me dire: réveille-toi, tout cela n'est qu'un rêve. Comme si c'était possible que ce ne soit pas un piège. Tu nages en plein délire, que comptes-tu y faire? Il te regarde jamais, tu ferais mieux d'abandonner. Oh, oh, oh. Pourtant je ne peux t'oublier. Oh, oh, oh. Même si je ne veux plus t'aimer. Et tu aveugles, tout cela est injuste. Hey Blue, tu es libre là? On a terminé l'examen, alors on va aller fêter ça. Non, ne comptez pas sur moi, peut-être une prochaine fois. Combien de fois il nous a dit peut-être une prochaine fois? Blue n'est pas marrant, on va bientôt être diplômé. Il est déjà majeur de promotion et étudie toujours. T'es un nurse dans l'âme. Allô, Blue? Ah, j'ai enfin réussi à t'avoir. Tu as presque fini l'école, non? Quand rentres-tu à la maison? Ça va prendre encore quelques mois, je te l'ai déjà dit. Ouais, ouais. Tes examens? Fini! Je vois. Tu sembles fatiguée, tu manges correctement? Je suis pas fatiguée, je suis toujours comme ça. Bon, eh bien, qu'est-ce que tu me veux? Mon Dieu, t'es un vrai gosse, tu sais. Enfin, tu as été en contact avec Red récemment? Non, on est chacun occupé avec nos propres trucs. Et nous ne sommes plus des enfants. Il n'est pas rare que les gens perdent contact. Pourquoi ça? T'es vraiment une merde. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais il vaudrait mieux que tu te dépêches de te réconcilier avec Red. Ce ne sont pas tes affaires. Ne mets pas ton nez dans ce qui ne te regarde pas. Eh oh! Ça ne se réglera pas comme un combat ou quoi, d'accord? C'est un problème entre nous deux! Nous avons pris la décision qui avait le plus de sens pour nous. C'est mieux comme ça. Ce n'est sûrement pas ce que pense Red. Hein? Il y a 2 semaines, Red est venu à la maison. Il voulait t'envoyer une lettre, mais il ne connaissait pas ton adresse. Je lui ai donc dit que je te l'enverrais pour lui. Une lettre? Je me disais bien que tu ne l'avais pas encore lue. Tu devrais vérifier ta boîte aux lettres plus régulièrement. Red n'envoie pas souvent de lettres. Donc je pensais que tu lui avais fait quelque chose qui le pousse à faire ça, et j'ai appelé pour t'interroger. Mais je suppose que je sais déjà tout ce que j'ai à savoir. Dépêche-toi, et écris-lui, d'accord? Qu'est-ce que c'est que cette lettre? Il n'y a que des photos. Tu as l'air d'aller bien. Il y a quelque chose d'écrit au dos. Oh! Je t'attends. C'est pas vrai. Alors pourquoi toi? Tu ne m'attends jamais! À ce moment, j'ai repensé à mon amour d'enfance, dont j'avais fait le deuil. Je ne reverrai plus jamais l'aide. C'est ce que je pensais. Il s'est souvenu de ce que je lui ai dit pendant tout ce temps. Mec, t'es un crétin. Qu'est-ce que je suis censée faire avec toi qui m'attends? Je veux te revoir aussi, tu sais. Red. Au carnage, reviens. Nina, où est Red? Il est déjà là. Bienvenue à la maison, Red est dans ta chambre. Merci. Bonjour à toi aussi. Ça fait longtemps. Tu as pris du muscle depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Je suppose que c'est ce qui se passe quand on cherche à capturer tous les Pokémon pendant des années et des années. Putain, mec! Oh, c'est vrai. Les photos que tu m'as envoyées.
De ce que je sais, elles proviennent de 3 régions différentes. Hein ? C'est ton Pokédex ? Ne me dis pas que t'as la version nationale ! Putain, ça doit demander une de ces endurances ! Bien, de mon côté, j'ai réussi à remplir celui de Kalos, pendant que j'étudiais là-bas. J'ai réussi à jongler entre ça et mes études. Oh, je suppose que c'est la preuve de mon génie. Tu veux voir ? Tiens. Donc tu n'es pas allé à Kalos, hein ? Ça ne m'aurait pas dérangé si tu y étais allé. Son corps est la seule chose qui grandit. Sa personnalité n'a pas changé du tout. Hé, hey Red. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes ici. Et que tu m'attendes. Tout ce temps. Donc... merci. Et je suis désolée. J'étais un enfant stupide. Je voulais être adulte. Et la seule chose que j'ai fait était de te repousser. T'es aussi forcé à faire des choses. Donc, je m'excuse aussi pour ça. Comme le bisou et d'autres trucs. Mais tu n'as plus à t'inquiéter. Enfin, je veux dire, je suppose que je pourrais dire que c'était la puberté qui me rendait confus. Je perdais tous mes repères. Je voulais juste dire que mes sentiments pour toi ont disparu sans laisser de traces. Donc voilà, j'ai juste un bouche-trou quand j'ai du temps maintenant. Mais je rigole. Mais ouais, t'as plus à t'inquiéter que j'essaye de te faire des trucs. Ah, je serai le premier à dire non merci, mec. Hein. Et donc, j'espère que tu me considéreras à nouveau comme ton ami. C'est chouette d'officialiser ça. C'est super d'être à nouveau en bon terme avec toi. Bon, on peut se mettre au travail. Désolée d'en parler seulement quelques secondes après que nous soyons redevenus amis, mais j'ai un service à te demander. Est-ce que tu connais la région d'Alola ? Ils ont un truc particulier là-bas pour les matchs Pokémon. Ça s'appelle l'arbre de combat. Bref, ils ont besoin de nouveaux leaders et ils veulent offrir ces postes à 2 candidats. Ces candidats étant toi et moi. Non. Tu te souviens, on est devenus maîtres Pokémon à peu près en même temps et étant seulement âgés de 11 ans. Apparemment, les gens ont parlé de nous dans d'autres régions et nous avons gagné une petite renommée. C'est marrant, hein ? Alors ils nous ont demandé si nous voulions devenir les dresseurs de légendes, les boss de l'épreuve. Nous pourrions être imbattables si nous joignions nos forces, tu ne crois pas ? Allons à Alola et montre-leur de quoi les champions de Kanto sont capables. Alors oui, je t'invite à venir à Alola avec moi, mais si tu y vas, tu devras y rester un moment. Il y a probablement des choses que tu as plus envie de faire que ça et je ne veux pas te forcer. Mais j'aimerais que tu viennes à Alola avec moi. Tu veux dire ? Tu vas vraiment venir avec moi ? Tu vas vraiment joindre tes forces aux miennes ? Tu sais que tu ne pourras aller nulle part pendant un certain temps, n'est-ce pas ? Tu ne fais pas ça simplement parce que tu te sens désolée pour moi ou... bien ? Oui ! Oh, je vais leur dire que nous acceptons leur offre, alors... Ah, ne te défile pas, hein ! Ah, je vais te montrer les progrès que j'ai fait à Kalos ! Il ne faudra pas m'en vouloir si je suis si fort qu'ils n'auront plus besoin de toi ! Yeah ! Non, tu ne vois pas, tu ne comprends pas tous ces efforts que j'ai toujours mis en œuvre pour toi. Toutes ces fois où je t'attendais en prenant sur moi, juste pour voir que tu m'abandonnais encore une fois. Et pourtant je suis perdue, mon monde s'écroule sans toi. J'oublie comment respirer et je ne comprends pas pourquoi je ne peux plus penser lorsque tu es là. Et pourquoi dans mon esprit il y a toujours cette voix. Et je l'entends me dire, réveille-toi, tout cela n'est qu'un rêve. Comme si c'était possible que ce ne soit pas un piège. Tu nages en plein délire, que comptes-tu y faire? Il te regarde jamais, tu ferais mieux d'abandonner. Wow, wow, wow. Pourtant je ne peux t'oublier. Wow, wow, wow.
lutter.